Baba Mungu tuko mbele ya uso wako asubuhi ya leo na natafuta kusema neno lako kumbele ya taifa lako Bwana utawale mkutano hii tawala moyo mawazo na mafikiri yangu utupatie masikio ya wanafunzi utupatie na moyo ya kupokea neno lako mchina la Yesu amen amen bien aimé je vous dis bonjour au nom de Jésus Christ wapendwa tunawasalimia mchina la wana wetu Yesu Kristo aujourd'hui je me suis proposé de parler Léo, un réseau de partenaires. Léo nilipenda tusungumuzie un réseau de partenaires. Kikosi kia watu wale wanashiriki mukazi pamoja nasi. Jean chapitre 4, 31 à 38. Yohane sura 4, makumi tatu na moya. Constituer un réseau kufanya muungano de partenaires ya wasaidizi wa kazi un réseau signifie un travail une activité en chaîne hii muungano ni kusema kuna kuwa kazi ile kunafanyika bila kwa kukachika ça me rappelle cet entretien entre le prophète Jérémie et Dieu. Minakumbuka ile mazungumzo ya nabii Yeremia na Mungu. Jérémie était en train de plaider en faveur du peuple d'Israël devant Dieu. Yeremia alikuwa iko na lilia juu ya taifa ya Mungu mbele ya Mungu. Pour que Dieu pardonne à son peuple. Ili Mungu arumie taifa yake. Mais Dieu fait voir à Jérémie. Lakini Mungu anamuonesha Yeremia. Dit pourquoi tu pries pour eux? Asema jua nini kuna waombea? Est-ce que tu ne vois pas ce qu'ils sont en train de faire là? We aone vile vile kunafanya. Ils sont constitués en réseau. Banakuya na muungano ni bantu basha kusikilizana. Les enfants ramassent le bois. Batoto njobe kuna lokota nkuni les femmes pétrissent la pâte ba mama njobe kuna nyonga mukate pour pétrir les gâteaux juu ya kuchoma ile mikate à offrir à la reine du ciel ya kwenda kutoa kwa ule malkia wa mbingu donc une seule opération ni kusema kashi moya inafanyika mais des opérations l'une à la suite de l'autre. Inaita tena na makazi ingine ifuatane vile kuna fatale. Des acteurs balebe kuna tumika qui sont éparpillés beko mafashi ya kuachana à des endroits différents mali mbali mbali mais qui conjuguent les mêmes efforts lakini banaifanya de façon à se compléter ili baungane mukazi pour produire le même résultat chou matokeo ikuye moya un montage en chaîne banaungana moya kwa mumoya l'œuvre de l'évangile kazi ya habari njema l'œuvre missionnaire kazi ya kimisionari est un travail en réseau. Ni kazi nafanyika muungano ya watu. Des opérations en chaîne. Makazi ya kufuatana. Nous allons lire dans l'évangile selon Jean. Tutasoma mu habari njema iliyoandikwa na Yohane au chapitre 4, sura 4,
31 à 38, lisons. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. 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 Il convient de nous rappeler inastahili tujikumbushe chaque jour kila siku que la raison d'être sababu ya kuwako de cette terre wa hii dunia jusqu'à présent kufika na leo c'est l'œuvre missionnaire. Ni kazi ya kimissionnaire. C'est l'œuvre d'implantation d'église. Ni kazi ya kuishimika makanisa. C'est l'œuvre de prédication d'évangile partout. Ni kazi ya mahubiri ya kupeleka habari njema fashi yote. Cette œuvre, une fois terminée, kama inaisha tu, cette terre n'aura plus sa raison d'être. Dunia hii haitakuwa na sababu ya kuendelea kuishi. Si aujourd'hui, kama leo, la terre ne tourne encore, dunia ingali kunazunguka, si aujourd'hui, kama leo, l'économie est encore fluide sur la terre, uchumi wa mapato ingali kunazunguka tena, l'argent circule, feza inazunguka mali pote, les entreprises travaillent, makampuni inatumika, le commerce continue, biashara inaendelea. Même sans rapport direct avec la mission, mais la raison d'être de tout ça, c'est la mission. Ni juu ya mission. Le jour où cette œuvre sera terminée, ce sera fini. Kutakwisha. Dieu n'a pas de projet sur la terre. Mungu ana na matengenezo juu ya hii dunia. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Mungu aliumba mbingu na dunia. Il n'a pas de projet sur cette terre. Ana na matengenezo mbili pa hii dunia. Il en a un seul. Matengenezo ni moya tu. C'est celui d'amener l'évangile. Ni ile ya kupeleka injili. De Jésus-Christ. Ya Yesu Kristo. Partout. Fashi yote, à toutes les nations, mataifa yote, toutes tribus, kabila yote, toutes langues, na kila lugha. C'est le seul projet. Iyo ndio matayarisho moya tu. Et celui qui mène ce projet-là, na ula naongoza ile kazi ile, c'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. C'est lui qui a la cartographie de la terre. Yenjo anajua wapi kwa kuingililia par rapport à l'implantation de l'évangile. Na kwenda kushimika par rapport à la pénétration de l'évangile. Kufuatana na kuingiza kwa habari njema. C'est lui qui a la carte.
carte. Yenjo eko na taswira ya inchi. Qui sait à quel endroit. Anajua sema mali fulani. L'évangile a déjà touché. Injili ilisha kuingia. Et quel est cet autre endroit. Nafasi ingine. Qui n'est pas encore touché. Bado kuingia bali nje. C'est le Saint-Esprit qui fait le suivi. Ni Roho Mtakatifu nje kuna fatilia. Et qui sait quel est le peuple. Na anajua ni taifa kani. De la terre. Ya kudunia. Qui a déjà reçu l'évangile. Et quel est cet autre peuple qui ne l'a pas encore reçu. C'est le Saint-Esprit. Il suit cette œuvre. Et c'est lui-même qui l'amène. Si il arrivait kama inakuwa un jour siku moja que le Saint-Esprit trouve Rome takatifu anaona que il a répandu l'évangile partout kwamba anatawalisha habari njema fasi et qu'il envoie le rapport au quartier général qui est au ciel anatuma ripoti ku office ya mbingu et qu'il dise mission accomplie akisema basi kazi imefanyika. Fini. Jésus va descendre du ciel. Il va prendre son église. Et la terre sera abandonnée. Entre les mains de l'Antichrist. Votre compte en banque. Compte yako ne vous appartiendra plus tena yako. À condition que vous puissiez pactiser kwa lazima upate avec l'Antichrist naye ule le champ que vous avez cultivé uliolima, vous n'aurez plus droit d'y entrer tena na à ya condition kuingia. Que vous puissiez mpaka tu upate signer un pacte upate kuungana avec la bête na ule nyama à ce moment-là mwile wakati si aujourd'hui kama leo vous êtes encore libre kama ungali na uhuru de prendre la houe ya kubeba jembe de cultiver ulime et de jouir na ufurakiwe du fruit de votre travail na matunda ya kazi yako c'est seulement parce que ni sababu tu la mission kazi c'est fait encore. Ingali kunafanika tena. Comprenez cela. Muelewe ile que vous soyez chrétien ou uwe pas. Mu Kristo wala mupagano. Peu importe. Ngawa yote. Amen. 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 Cette œuvre s'est faite. Ikazi kunafanika en série. Mukufatana moya kwa mumoya. À la chaîne. Iba kungana kama muyororo. En tandem. Yenye kungana. À la suite de l'autre. Iyi naisha ingine nafati. Ingine naisha nafati. Dans cette portion de l'évangile que nous avons lu. Muiki semu ya mandiko tulisoma. S'agissant de la femme samaritaine. Kuhusu ule mwanamuke msamaria. Qui était allé puiser de l'eau et qui a trouvé un monsieur, un certain monsieur, un inconnu anapata au puits. Bwana moevi washipo kujulikana. Elle était samaritaine. Yeye alikuwa ni msamaria. Mais le visiteur était un juif. Lakini ule mugeni alikuwa ni muyuda. On savait se reconnaître. Bari, je ne sais pas si c'est pas l'accoutrement bari anza kurivumbula, ou kama si c'est pas la morphologie, je ne sais pas. Ao, ni kunsula yake, shijue. Voir quelqu'un dire que c'est un juif et que moi je suis samaritain. Kona sema uyu ni muyuda na mimi ni msamaria. Cet homme, ce juif-là, c'était Jésus ule de Nazareth. Mtu muyuda ule alikuwa ni Yesu. Jésus lui demande de l'eau à boire. Yesu anamulomba maji ya kunywa. Mais l'ayant reconnu et identifié comme juif, la femme lui dit, comment me demandes-tu de l'eau à boire? Toi, un juif, avons-nous commerce entre juifs et samaritains? Pour que tu puisses avoir le courage de me demander de l'eau à boire. Et Jésus lui dit, na Yesu anamonesha, si tu connaissais le don de Dieu, kama ulijua zawadi ya et Mungu, si tu savais même qui est cet homme qui na, te demande kama ulijua, sema, ni mtu de l'eau à boire, kunywa,
tu ne lui aurais pas donné de l'eau. Mais au contraire, c'est toi qui allais lui demander de l'eau à boire. À cela, Jésus s'identifie hein, déjà comme étant Dieu, comme étant celui qui a même créé l'eau. Et je t'aurais donné de l'eau telle que si tu as moi, tu n'auras plus jamais soif. La femme aurait dit, quelle imposture. Mwanamke alipasha kusema, ah, hii ni makufuruka. Notre grand-père Jacob, baba yetu, kambo yetu Jacob, lui-même qui a creusé ce puits, ye mwenyenjo alichimbula hiki kisima, n'a jamais eu autant de prétentions que toi. Ashita kuyaka na ile nia ile wao kunayo pale. Prétendre me donner de l'eau à boire pour que je boive une bonne fois pour toutes et que je ne puisse plus jamais avoir soif. Alors, donne-moi cette eau-là. On verra comment je vais boire et que je ne puisse plus jamais avoir soif. Donc, on va voir. Et d'abord, tu vas me donner de l'eau comment? Le puits est profond. Tu n'as même pas de quoi puiser. Si tu avais de quoi puiser, allais-tu me attendre que moi j'arrive et que tu me demandes de l'eau? Mais tu vas me donner de l'eau comment? Donne-moi toujours de cette eau-là, on va voir. Toi qui as de l'eau, telle que si on la boit, on ne boira plus. Notre grand-père Jacob lui-même est venu puiser lui et ses gens toute leur vie. C'est lui qui a creusé ce puits. Et toi, tu vas me donner de l'eau une bonne fois pour toutes. Jésus lui dit, je vais te donner cette eau-là. Mais va. Lakini, wende. Appelle ton mari. Ita bwana yako. Je vais vous donner de l'eau. Mita mipatia maji. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Mwanamke anamuonesha sema shina na bwana. Je n'ai pas de mari. Shina na bwana. Et Jésus lui dit, oui. Yesu anasema ndio. Peut-être tu crois que tu es en train de me tromper. Sasa zingine unazania sio kunenilanda. Voir un inconnu. Kuona tu mtu asipo kujulikana. Vous êtes à deux quelque part Ambrose. Muko bawiri mupori mwenye. Tu es une femme mariée. Wewe uko bibi wa ndoa. Et tu dis à l'inconnu que tu n'es pas marié. Na unamonesha le mtu asipo kujulikana sema wewe hauna bwana. Tu viens de laisser un monsieur à la maison. Unacha bwana kunyumba. Et c'est peut-être pour lui que tu es venu puiser de l'eau. Sikini ni yenje ulikuja kushotea maji. Et maintenant tu me dis que tu n'as pas de mari. Hapa unenyonesha sema hauna mwenye koleo. Effectivement, tu n'as pas de mari. Ya kweli hauna na mume. Peut-être que du fond de ton cœur tu crois que tu es en train de me mentir. Sikini ndani ya moyo wako nadhania sema kuna nilala. Tu n'as pas de mari. Ya kweli hauna na mume. Tu as eu 5 maris. Ulikuwaka na babwana tano. Et même celui pour qui tu es venu puiser de l'eau là. Na ule mwenye unakuwa kushotea mai. C'est le mari de quelqu'un d'autre. Ni bwana wa mtu mwingine. Ah, c'est ça qui a arrêté la discussion. Pale njobu bishi mulishimamia pale. Amen. Amen. Comment est-ce que tu sais ça? Unayua ile mambo je. Donc tu es prophète. Ni kusema huku nabii. Amen. Amen. Pendant ce temps-là, Mouile wakati, les disciples étaient allés en ville banafunzi barenda mumuji, pour acheter du pain kwenda kununua mkate, parce que Jésus avait faim. Njou Yesu alikuwa na njaa. Il était resté seul au puits. Alibakia yeye peke. Les disciples revenant de la ville, banafunzi mukurudia, ils l'ont trouvé banamukuta, en conversation beku naongea, avec une femme. Na mwanamuke. Lui qui avait faim,
et qui les avait envoyés pour chercher du pain. Maintenant qu'ils reviennent avec du pain, ils le pressent. Seigneur, mange. Il ne veut plus manger. Amen. Amen. Pourtant, c'est lui qui avait dit, j'ai faim. C'est lui qui avait dit, allez nous chercher quelque chose à manger dans la vie. Maintenant qu'il revient avec la nourriture, il dit, je n'ai pas faim. J'ai à manger une autre nourriture. Ça crée encore des points d'interrogation dans le cerveau des disciples. Ils le retrouvent seul à seul avec une femme. Et tout d'un coup, il n'a plus faim. Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Et ce quelqu'un-là serait-ce cette femme-là? Des questions. Des points d'interrogation, mais personne n'avait le courage de lui demander ouvertement qui t'a apporté à manger. Amen. Amen. Vous savez, la vocation à la prédication de l'évangile, ça se sent comme un besoin naturel, comme une faim, comme une soif. Alléluia. Amen. Un jour, le Saint-Esprit était en train de m'enseigner cette vérité-là dans les pensées, comme quelqu'un qui me posait des questions. Mais j'étais seul. C'était comme une méditation. Il me dit ceci. Dieu, au départ, a créé un seul couple. Mais son objectif était de remplir toute la terre avec le genre humain. À partir de ce couple-là. C'est pourquoi il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Alors, il me pose cette question. La formule-là de reproduction, si c'était quelque chose de simplement pénible, si c'était juste un devoir pénible, sans attrait, sans goût, est-ce qu'il y aurait beaucoup d'hommes qui chercheraient à s'approcher de femmes pour procréer? Il n'y en aurait pas. Si c'était juste un devoir là, parce que Dieu a dit il faut procréer, bon, alors allons-y quand même. Dieu n'allait pas atteindre son objectif. C'est pourquoi il a fait que il y ait attirance entre l'homme et la femme, et que par voie de conséquence, que son objectif là de reproduction soit atteint. Il me pose encore une question. Toujours la méditation là. C'est comme quelqu'un qui me parlait, mais je ne le voyais pas. Il me dit, prenons aussi la nourriture. La nourriture, c'est bon pour la santé, pour construire le corps. Mais si c'était juste un devoir, sans goût, comme quelqu'un qui broute le caillou, est-ce que beaucoup de gens allaient manger? Tout simplement parce que non, il faut manger pour avoir la santé. Et si on broutait des cailloux, ça n'a aucun goût, ça n'attire pas. Les gens n'allaient pas manger. C'est pourquoi la Bible dit, la femme vit
Mwanamke anaishi. Le fruit de l'arbre était agréable à la vue. Asema tunda ya muti ilikuwa mzuri kwa kuiona. Bon à manger. Mzuri kwa kuikula. Et propre à donner le discernement. Na inastahili kuleta tena ufahamu. Quand tu regardes la nourriture. Wakati unaangalia chakula. D'abord, rien que le fait de voir, chakula, ça t'attire. Inakuvuta. Et quand tu mets dans la bouche, na kama unayeka mukinywa, c'est bon. Iko mzuri. Et c'est ainsi que kwa mana, l'homme se nourrit. Mutu anejichenga, mais si ce n'était pas agréable à voir, na kama abikukwata bizuri kumachi, si ce n'était pas bon à manger, kama abikukwe bizuri mukubikuria. D'ailleurs, nous avons beaucoup de peine avec certains petits enfants. Leo tu kuna mangaiko na batoto kidogo. Il ne veut pas manger. Mwingine asipende kulia. Vous devez inventer des astuces pour qu'il mange. Munapaswa kumtafutia dawa tu juu akulie. Amen. Amen. Comprenez pourquoi Jésus dit. Mushikie jua nini Yesu yuko nasema. J'ai à manger. Niko na chakula. Une nourriture que vous ne connaissez pas. Chakula ile amujue. Alors cet homme là qui me parlait. Sasa ule mtu alianza kusema. Il a conclu en me disant. A, na sema hivi. C'est comme ça l'appel au ministère. Njo hivi na mwito ku huduma. Dieu met en vous. Mungu anaweka ndani yako. Le goût. Il est oncho, l'appétit, il est amu, l'attirance à faire l'œuvre de Dieu, kufutwa mukazi comme si c'était kama vile la nourriture, chakula, comme si c'était sa vile ripasha kuya, l'homme qui est attiré vers la femme. Mwanaume ule anafutwa na mwanamke. En conséquence, na matokeo, qu'il y a reproduction. C'est en conséquence qu'il y a édification du corps quand on mange. C'est comme ça que Dieu a fait. Quelqu'un sent quand il est devant la possibilité de prêcher l'évangile, d'enseigner la parole de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est devant un plat. Le plat qu'il aime. Il le voit. Il commence à saliver. Amen. Amen. Il dit, sans cela, quelqu'un irait faire l'évangile juste parce qu'on a dit, juste parce que c'est écrit. Non. Il me donne l'exemple du prophète Jérémie. Dans Jérémie, je crois que c'est le chapitre 20, où il dit, Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Il arrive même que je décide en disant, c'est fini, je ne vais plus prêcher. Mais je sens en moi comme une boule de feu qui va éclater et je ne peux pas me contenir. Donc ce moteur là se trouve en lui et ça éclate. C'est ça qui le pousse à aller. Amen. Amen. Ce que Jésus explique. Quand il dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Quelle est cette nourriture-là? Alors, comprenant déjà la pensée qui est dans les disciples, il dit, ma nourriture, ce n'est pas ce que vous pensez là. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Alors, devant ce devoir-là, c'est comme s'il était devant la nourriture. Je voudrais te poser aussi la question. L'œuvre de Dieu, la mission de l'évangile, est-ce qu'elle est devant toi comme une nourriture? Est-ce que tu sens
Quand tu es devant la possibilité de faire l'œuvre de Dieu comme si tu étais devant un plat succulent. Amen. 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 Et il enchaîne. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Amen. Quelqu'un qui a cultivé son champ. Mutu anarima mashamba yake. Et ce champ a bien porté. Na ile mashamba inatosha sana chakula. Quand vient le moment de la moisson, wakati ya mavuno inenea, lorsqu'il entre dans ce champ, wakati anaingia mu mashamba ile, dans son champ, mu mashamba yake, lorsqu'il voit comment le champ a porté, wakati anaona vile mashamba inatosha chakula sana, qu'est-ce qu'il sent en lui? Anashikia kachie ndani yake. Je pose la question inverse. Minaulisa ulizo kinyume. Tu as fait ton champ. Unalima mashamba yake. Ça a raté. Ile mashamba inashindwa kuzaa. L'herbe a poussé partout. Mayani naona inaota fashi yote. Il y a de temps en temps un épi quelque part l'a perdu dans la broussaille. Peku mafashi tu ya kuachana chana njopa na bamba tu maminji tu kutoka. Quand tu viens entrer dans ce champ là. Wakati unakuwa kuingia mu mashamba yako. Qu'est-ce que tu sens? Tu risques de tomber en défaillance. Le cœur risque de céder. Maintenant, prenons la situation inverse. Ton champ a bien porté. Uniformément sur toute l'étendue du champ. Yote mushima kuna fashi moya ilikosa. De gros épis de maïs. Maminji ya minene minene. Et tout est mûr. Tout est prêt pour la moisson. Quand tu entres dans ce champ-là, quel est le sentiment que tu as? Prends ce sentiment-là. C'est ça que Jésus sent. Quand il regarde les foules, quand il regarde les nations, quand il regarde les païens, il sent comme un cultivateur qui est devant un champ qui a bien porté et c'est le moment de la moisson. Donc ce sentiment-là, ça vous excite, ça vous fortifie. Amen. C'est ça le moteur de la mission. C'est ça même la vocation à la prédication de l'évangile. Quand tu te trouves devant une occasion, devant une possibilité d'exécuter l'œuvre, tu es excité. Tu sens une excitation comme quelqu'un qui a cultivé, son champ a bien porté et il est mûr. Il est excité. Amen. Amen. Et il dit ceci pour arriver à notre travail en complémentarité. Il dit: celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Amen. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Voilà encore une double raison d'excitation.
Hii ni sababu tena ya pili ile inaweza kusukuma mtu. Il y a un salaire. Kuko mushara. Pour la vie éternelle. Juu ya uzima wa milele. À faire l'œuvre de l'évangile. Il y a un salaire qui vous attend. Au retour de Jésus, kurudia kwa Yesu, il y a un salaire. Kuko mushara, et celui qui s'adonne ya ule anajipana, à cette œuvre-là, muile kazi, il est en train d'engranger dans son compte ekuna wekea mwa akiba mwa hazina yake, des bénéfices. Mafaida. Alléluia. Amen. Jésus dit, voici, je viens. Yes, on a sema tazana, nakuja. Avec ma malle d'argent payeur. Na sanduku yangu ya kwenda kulipa bantu. Il vient payer. Ekuna kwa kulipa. Il vient retribuer. Anakuya kulipa. Les moissonneurs. Ya bavuna, bavunaji. Ceux qui ont moissonné dans son champ. Bantu bale balivuna mu mashamba yake. Ils attendent un salaire. Bekuna ngojea mushara. Et il explique que ce travail s'est fait à la chaîne. Il y a des gens qui cultivent en solo. Mais en règle générale, le travail s'est fait en chaîne. Il y a celui qui laboure. Il y a celui qui sème. Il y a celui qui vient sarcler. Il y a même celui qui vient arroser. Et il y a le moissonneur. Ce n'est pas nécessairement la même personne. On se complète. Il y a celui qui va. Dans l'évangile. Il y a celui qui reste à genoux en prière pour soutenir celui qui est parti. Il y a celui qui lui donne de quoi subvenir aux besoins du voyage. Il y a celui qui lui donne même une tunique pour se couvrir. Et celui qui part. Et celui qui est resté mais qui a donné. Tous deux font la même opération en chaîne. Écoutez, vous qui êtes membres de cette église, laissez-moi vous dire pourquoi Jésus vous a sauvé et pourquoi il vous a amené ici à l'église piscine de Bethesda. Peut-être que vous ne le saviez pas. Laissez-moi vous dire pourquoi il vous a sauvé. C'est pour que vous puissiez participer à l'évangile directement ou indirectement. Il ne vous a pas sauvé pour rien. Il ne vous a pas sauvé pour que vous puissiez seulement remplir cette salle. Non. Il n'a que faire de foule. Il n'a pas besoin d'une méga church de 1000 membres. Non. Il a seulement besoin de moissonneurs, des gens bantu qui soit bale ao, il part ni bale be kunenda, soit ao, il soutient celui qui part ao bana saidia bale be kunenda. C'est tout. Kunaisha. Et ici na apa, le rôle cage que vous avez à jouer, c'est soit partir avec moi ou bien soutenir ceux qui partent avec moi. Il n'y a pas autre chose. Amen. Amen. Il n'y a pas autre chose. Soit
Vous êtes parmi l'équipe des renards. Les renards que Samson avait liés que contre que, il les a lancés moissonner les champs des Philistins à sa façon. Jésus a besoin des gens qui partent. Il les allume avec des torches. Le feu du Saint-Esprit. Moto ya Rome et il les envoie partout dans le Katanga. Anebatuma fashi yote mukatanga. Kamina. Kamina. Ampueto. Amalemba. Malemba. Kalemi. Kalemi. Kabalo. Kabalo. Kongolo. Kongolo. Moba. Moba. Lubumbashi. Lubumbashi. Sakania. Sakania. Partout. Na fashi zote. Que contre que, mukila kwa mukila, deux à deux partout. Bawiri, bawiri, Jésus ne vous a pas sauvé pour autre chose. Amen. Amen. Ce n'est pas pour que vous soyez là en train de crier et de faire des slogans. Et puis, vous chassez des démons fictifs. Les démons se trouvent là où je vous dis là. Il faut aller partout là-bas. Et quand il les envoie, il leur dit, chassez les démons. Purifiez les lépreux. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Il ne vous envoie pas chasser les démons dans cette salle. Il faut vous éparpiller. Amen. Amen. Soit vous êtes celui qui part. Soit vous êtes celui qui soutient celui qui part. Et là, vous formez une seule équipe entre celui qui sème et celui qui moissonne, afin que les deux se réjouissent ensemble. Et celui qui sème et celui qui moissonne, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Il dit en cela, le proverbe populaire que vous dites là est vrai. Il récupère même un adage populaire, il dit, pour ça, cet adage est vrai. Il dit, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Donc, il cite un adage populaire. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Amen. Un réseau de partenaires. Premier point, je disais complémentarité dans les services. Deuxième point, je dis soutien matériel et financier. Je vais encore lire un passage. À Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton.
car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix revienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. 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 Il dit ceci. Anasema hivi. En allant, Mukwenda, ne vous encombrez pas de bagages. Mushi yaje tu mabifulushi bya kwenda navyo. N'apportez pas une valise. Mushi bebe valise. De vêtements. Ya manguo. N'apportez pas une valise. Mushi bebe valise. De couverture. Des souliers de rechange. N'apportez même pas de l'argent dans vos poches. Et puis il dit, ne monnayez pas vos services. Vous avez reçu gratuitement les dons de guérison, les dons de chasser les démons, de ressusciter les morts. N'allez pas vendre ça. Bon, si nous prenons ces deux affirmations, d'un côté, il dit, n'amenez pas de provisions. De l'autre côté, ne vendez pas vos prestations. Alors maintenant, nous allons vivre comment? Amen. Nous ne devons pas apporter ni farine, ni argent, ni quoi que ce soit. Nous allons vers l'inconnu. Et puis tu nous dis que même nos services là, nous ne devons pas les produire en échange d'argent. Bon, est-ce que nous allons vivre comment? Il résout le problème. Il dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. S'il vous dit de ne pas amener de garde-robe, il considère que tout le champ missionnaire est une garde-robe pour vous. S'il dit de ne pas amener de provisions, il considère que tout le champ missionnaire est un garde-manger pour vous. C'est-à-dire, de même que vous allez prester gratuitement, moi, Jésus, je vais toucher le cœur de ceux qui vous recevront. Ils vous donneront des vêtements. Ils vont vous loger. Ils vont vous nourrir. Ils vont même vous donner de l'argent de poche. Ne perdez pas du temps porter de l'argent de poche. Ne vous encombrez pas à porter des valises de vêtements. Vous trouverez des vêtements là où vous allez. Vous trouverez de la farine, du poisson, des vivres là où vous allez. Nous allons trouver ça comment? C'est-à-dire, le peuple va vous donner. Bantu batemipatia. Et le peuple là, c'est qui? Na bale bantu ni banani. C'est toi et moi. Ni weye na miye. Amen. Amen.
Il y a celui qui part. Kuko ule kunenda. Et j'ai remarqué ceci. Na, miliona hivi. Quand Dieu s'est choisi quelqu'un pour faire son œuvre, wakati Mungu anachagua mtu juu ya kufanya kazi yake, il lui prive d'argent. Ana mukataria na kupata mapato yake. J'ai beaucoup pleuré au début du ministère sur cette question-là. Nililia sana kwa mwanzo ya huduma yangu hii pa kanisa. Tu es devant uko mbele la possibilité de faire une œuvre. Unaweza ufanye kazi, mais il te manque jusqu'au centime. Lakini unakosa hata shiki shimoya. Et tu te dis, na unasema, si Dieu pouvait faire un miracle, kama Mungu anafanya tu miujiza, et me donner un paquet d'argent, anipatie kotu makuta ya mingi, je vais bâtir un grand temple, mitaenga kikanisa kinene, je vais acheter des équipements de sonorisation, mitauza bintu ya mukanisa, je vais construire un orphelinat, mitaenga orphelinat. Vous savez, un serviteur de Dieu, si au départ là Dieu le bourre d'argent, il ne fera plus l'œuvre comme serviteur de Dieu. Il va utiliser tout son argent et faire tout ça tout seul. Il ne va même pas demander au peuple de contribuer. Or ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de faire participer tous ces hommes et toutes ces femmes jusqu'au bébé. Jusqu'au bébé qui est dans le ventre. Que tout le monde participe avec son bien à construire un temple. Avec son bien à soutenir les veuves. Avec son bien à propager l'évangile. Si par exemple il était arrivé qu'un homme comme moi puisse avoir de l'argent, mais je pourrais partir même à l'insu de tout le monde et vous apprendrez seulement que j'ai construit là-bas, que j'ai équipé ici, que j'ai amélioré telle part. Amen. Amen. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que il te donne à toi uniquement la bouche pour parler et ta Bible. Na Biblia, et même la Bible là, na Biblia inyewe, il faut que quelqu'un d'autre te la donne. Mwingine yenjo anapasha ya kupachie. Quelqu'un d'autre m'offre une Bible. Mutu anenitolea Biblia. Quelqu'un d'autre me paye le billet pour aller telle part. Mwingine anenilipia safari. Quelqu'un d'autre me donne du carburant pour mettre dans ma voiture. Mwingine si jamais. Anenipatia carburant mineka motoka. Quelqu'un d'autre me donne de quoi aller survivre là-bas. Mwingine ananipatia ya kwenda kuishi nayo kule. Et celui qui part, et celui qui donne, ils se sont alignés l'un à la suite de l'autre pour accomplir la même œuvre. Amen. 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 Les apôtres avaient compris cette vérité dès le début. Ils avaient organisé un réseau de soutien au ministère. Il y avait des personnages comme la sœur Phébé. Phébé en Romains chapitre 16. C'était une diaconesse. Et son rôle, na kazi yake, c'était de mobilisatrice de ressources. Alikuwa ekunafanisha michango. Elle allait partout auprès des églises. Alianza kwenda fasi yote kumakanisa. Auprès des partenaires. Na kuona bale bantu bakusaidia. Pour faire des collectes. Njoo alebebe ile michango. Pour soutenir le ministère de Paul. Baweze kusaidia huduma ya Paulo. Pour soutenir le ministère d'Apollos. Kusaidia huduma ya Apollos. Pour soutenir le ministère de Pierre. Kusaidia huduma ya Petro. Pour soutenir les malheureux. Elle-même n'avait rien. Mais son activité
consistait à aller parler au cœur des personnes de bonne volonté qui mettaient à sa disposition des moyens. C'est pourquoi Paul dit: je vous recommande Phoebe, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Mettez-vous à sa disposition pour tout ce dont elle aura besoin de vous, parce que son activité a déjà aidé beaucoup de personnes, y compris moi-même Paul. Il y avait les gens comme Tite. Il y avait aussi beaucoup d'autres personnes que Paul a formées et qui n'avaient pour rôle que de faire des collectes auprès des églises et auprès de toute personne de bonne volonté pour financer la mission de Paul, pour financer la mission de Pierre. Amen. Amen. Il y avait aussi des femmes comme Lydie. Lydie était une femme d'affaires. Elle vendait des vêtements de luxe. Et si toi aussi tu es une femme d'affaires, si tu es aussi un homme d'affaires, quelque part ici à Likasi, ou partout ailleurs où vous me suivez, faites comme Lydie. Lydie, quand Paul est arrivé dans leur ville, la ville de Philippe, Lydie, qui était une femme d'affaires, a supplié Paul et toute sa suite. Tu vois, Guilain, quand je vais là, je vais avec toute une suite. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même Paul, quand il va là, vous voyez dans les Actes des Apôtres, parfois on le cite à la troisième personne du singulier. Il y partit de... Il arriva à Akafika. Mais il n'était pas seul, il avait toute une suite. Parmi les gens qui étaient dans sa suite là, il y a un certain médecin du nom de Luc. Et c'est lui qui a écrit l'évangile selon Luc et les Actes des Apôtres. Luc n'était même pas apôtre. Lucas, mais il était l'un de ceux qui allaient dans le cortège qui accompagnait Paul. Alors, Lydie reçoit Paul avec toute la suite et le prend en charge pendant tout leur séjour dans la ville de Philippe. Au moment où Paul part de la ville, l'action de Lydie ne s'est pas arrêtée là-bas. Elle a même créé une école de sponsoring où on retrouve des noms comme Evodie et Saint-Tish. Lydie, Evodie, Saint-Tish, toute l'église de Philippe était devenue une église sponsor du ministère de Paul. Paul part de Philippe à Thessalonique. Paulo anatoka mu Philippe anaenda mu Thessalonique. Lydie ne part pas avec Paul. Lydie achende naye pamoja. Evodie ne part pas. Evodie achende. Mais elle constitue un quartier général. Lakini banafanya kama vile kambi moya. Pour suivre tous les voyages de Paul à distance. Iko nafuatilia masafari yote ya Paulo atakaye kumbali. On apprend qu'il est à Thessalonique. Banashike to sema eku ku Thessalonique. Ces femmes-là constituent
des paquets, bale ba mama banafunga bifulushi, des vêtements, ya manguo, des vivres, ya biakuria, et de l'argent, na feza. Et on prend quelqu'un pour aller suivre Paul. Banatuma muntu ende bakamufatishe Paulo. C'est pourquoi Paul se vante njoko mana Paulo à Thessalonique kule ku Thessalonique de n'avoir pas mangé le pain de quelqu'un gratuitement là-bas. Asema ashikukurie mukate ya muntu tu ya bule kule. C'est dans les actes. Kama unasoma matendo ya mitume, vous trouverez que mutaona sema pendant qu'il était à Thessalonique, wakati Paulo alikuwa ku Thessalonique, c'est l'église de Philippe qui le soutenait là-bas. Quand le soutien venait à manquer, c'est alors qu'il travaillait de ses mains. Et dès qu'on lui envoie encore des vivres, il démissionne de l'atelier et il commence à prêcher à plein temps. Arrivé à Corinthe, il a trouvé un contrat chez Aquila et Priscille. Anapata kazi kwa Aquila na Priscille. Il a commencé à travailler en semaine. Anaanza kutumika mujuma. Et le samedi, il allait prêcher. Siku ya posho anenda kubiri. L'équipe de Lydie et Vodi sentit chez l'église de Philippe. Kikosi kia Evodi sentishi lidi na kanisa ya Filipo. Et il est à Corinthe. Bana shikia sema Paulo et Corinto. On lui a encore envoyé de vivre. Bana mutumia tena kule chakula. Aujourd'hui, leo, avec le téléphone portable, na ma telefoni tukunayo, avec l'internet, na ma internet, suivre le voyage missionnaire, kufuatiria safari ya ça devient comme un jeu d'enfant. Savoir qu'il est à Kabondo Dianda aujourd'hui et que ce soir il vient d'arriver à Malembankulu. Voilà qu'il traverse le fleuve pour aller à Mulongo. De Mulongo il arrive à Manono. De Mulongo il passe sur Ankoro. Manono banenda Ankoro. Il se propose d'aller à Nyunzu et Kalemi. Aujourd'hui avec la technologie, leo na ufundi, on sait suivre là à la minute. Tunaweza kufuatilia mtumishi. Et on sait connaître les besoins. Na tunajua mahitaji yote. On sait connaître les besoins. Tunaweza kujua mahitaji. Je me souviens l'année passée. Ninakumbuka mwaka jana. Quand je suis arrivé à Kamina. Wakati nilifikaka ku Kamina. J'étais devant l'une de nos églises. Nilikuwa mbele ya kanisa moja yetu. Qui était dans une situation pitoyable. Ilikuya ile kanisa ilikuwa iko naleta na buluma. Seulement avec le réseau WhatsApp. Kupitia tu WhatsApp. Sur le compte des partenaires. Na juu ya bale bananisaidia kwa ile compte. J'ai exposé la situation. Mimi naleta ile itaji. Dans la même journée. Mu ile siku moya moya. Un partenaire. Mutu moya. Qui n'est même pas membre de notre église, anata member wa kanisa, il est membre d'une autre église du Seigneur, member wa kanisa ingine ya Bwana. Mais il a vu ça, lakini aliona ile sur WhatsApp, pa WhatsApp, il a résolu le problème. Analeta jibu nous avons mambo. Acheté les briques, tunauza mabriki, on a construit l'église, tunachenga kanisa, à Kamina, ku Kamina. Amen. Amen. Lui n'est jamais allé à Kamina. Ye ashia endaka ku Kamina. Mais son argent est allé là-bas. Lakini feza yake ilisha kufikaka. Peut-être toi tu n'iras jamais à Kalemi. Sasa ngine wewe hautafikaka ku Kalemi. Tu n'iras jamais à Kongolo. Hautendaka ku Kongolo. Ou à Kabongo. Ku Kabongo. Ou à Sakanya. Au ku Sakanya. Mais ton argent. Lakini feza yako. Peut implanter une église là-bas. Inaweza kujenga kanisa kule. Ton argent. Feza yako. Peut équiper une église. Inaweza kuleta vifaa vya la Bible dit louer l'Éternel. Biblia nasema msifu avec les instruments à cordes. Na vinanda. Avec les cymbales sonores. Na mangoma ya kulia sana. Avec les cymbales retentissantes. Na mangoma ya kulia sana. Avec la flûte et le tambourin. Na mafilimbi. J'arrive devant une église. Minafika mukanisa. Où ils n'ont même pas un sifflet. Amuna ta frimbi moya. Alors que la louange nayo, d'après la Bible, sifa ça s'accompagne de tout ce fatras d'instruments. Mais hivi tu as l'argent. Uku na feza. Tu peux acheter un synthétiseur. Unaweza kuuza synthétiseur. Tu peux acheter une chaîne de sonorisation. Unaweza kuuza bifaa vyote. Tu peux me contacter. Unaweza kunita. Pour connaître les besoins. Ujue ni nini tuko natafuta. Je te dirai ici.
Ici où je viens d'arriver, je viens de trouver une église qu'on a construite, mais il manque les tôles. Il manque une charpente. Il manque la sonorisation pour louer l'Éternel. Amen. Amen. Dernier point, les bonnes œuvres. Celui qui part en mission, la Bible dit Jésus allait de ville en ville, et de village en village, il faisait le bien. On ne va pas seulement pour prêcher l'évangile. Il y a quelque part où vous devez faire poser aussi une bonne œuvre. Un jour, Élisée est arrivé dans une ville. Mais on lui a posé un problème de la société. Le problème de l'eau. On lui a dit non, ici ça va, mais seulement l'eau. Il a apporté solution au problème de l'eau. Même si c'était miraculeux, mais il a assaini l'eau. Et je peux arriver quelque part. Il y a un problème qui se pose. Il y a une personne à secourir. Amen. Amen. Et toi qui n'es pas parti, tu peux contribuer de loin avec ton argent. Il ne faut pas toujours dire non, moi je contribue seulement avec les prières. Est-ce que tu me recommandes quand je me trouve devant quelqu'un qui n'a même pas de quoi se couvrir, qui n'a même pas de quoi s'habiller, que moi je le soutienne aussi seulement avec la prière? La Bible dit j'étais nu et tu m'as donné un vêtement. La Bible ne dit pas j'étais nu et tu as prié pour moi. Non. J'ai eu faim et tu m'as imposé les mains. Non. J'ai eu faim et tu m'as donné manger. Amen. Nous sommes dans la période où nous déployons nos activités missionnaires. C'est pourquoi je vous parle de la sorte. Et cette semaine déjà, beaucoup d'équipes vont se déployer. Et moi-même, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de recevoir quelque chose pour l'œuvre missionnaire. Il y a des endroits où j'arrive, je dois implanter une église. Il y a des endroits où je dois soutenir une église, même avec l'équipement. Il y a des endroits où il y a des problèmes matériels financiers qui se posent. J'ai besoin de partenaires. Et vous qui me suivez au loin, par les médias sociaux, si le Saint-Esprit vous a convaincu, vous pouvez souscrire comme partenaire. Et je vais vous ajouter au nombre de partenaires. Comme ça, à chaque étape, je vous informe de ce que nous faisons, que je vous informe aussi de ce dont nous avons besoin. S'il y a quelqu'un dans la salle qui dit non pasteur, ajoutez-moi aussi au nom des partenaires, je vais vous accompagner sans partir avec vous. Qu'il se signale. Papa Alain, venez un peu ici.
Vous allez vous présenter. Oui, là-bas, mettez-vous là-bas. Umone huyu baba. OK. Vous allez vous présenter devant lui. Umone huyu papa. Il va prendre votre nom. Atanjika njina yako. Et votre numéro de téléphone. Na numéro yako ya téléphone. Si vous êtes sur WhatsApp. Kama ukupa WhatsApp. On va vous ajouter sur le compte des partenaires. Batakongeza mu compte ya bale bana. On vous dira même chaque fois que vous avez même 10,000 francs. Vous allez transférer dans tel numéro. De cette façon-là, est celui qui part, est celui qui reste, tous deux vous êtes engagés dans la même mission. Nous allons passer à la prière. Nous allons nous prosterner devant le Seigneur. Parce que cette semaine déjà le voyage commence. Et on va nous amener la Sainte Cène. On va commencer par ça. Nous allons, si il est possible, en respectant toujours les règles de distanciation sociale, s'il est possible que tu te mettes à genoux là où tu es, tu peux te mettre à genoux comme moi, nous allons adorer Jésus. Nous allons l'adorer pour commencer la campagne 2021. Il y a beaucoup de voyages qui se feront. Et ça nous demande beaucoup de moyens.